Salut, salut les gars. Je viens encore dans cette vidéo vous annoncer que nous venons de valider une fois de plus notre astuce du jour. Et comme vous le savez, l'astuce a porté sur deux événements avec une cote globale qui se situait autour de 2,900. Mais malheureusement, dans le coupon, il y a eu un remboursement, à savoir le match entre l'Autriche et la France. Là, j'avais pris un total de plus de 2, mais le match s'est terminé par un score d'un but partout, ce qui a fait que nous avons été remboursés. Mais pour ce qui est du match entre le Danemark et la Croatie, comme je vous l'avais prédit, la Croatie a été considérée comme l'équipe faible de la rencontre. Leur cote était autour de 4. Et comme je l'avais dit, c'était sûr qu'ils n'allaient pas se laisser faire sur cette rencontre. Et voilà qu'ils ont même gagné la partie. Alors que nous avons pris un tout. La victoire ou le match nul de la Croatie. Et malgré que nous avons été remboursés, la cote est restée toujours à 2,02. C'est pas mal et ça se trouve dans notre intervalle de 2 que nous avons l'habitude de jouer chaque jour. Et voilà, ce sont des petites astuces mais qui nous réussissent à 100%, si on veut le dire, ça nous réussit à 100%. Presque à chaque fois que je prends ces astuces, ça nous réussit. Deux événements avec une cote supérieure ou égale à 2, et ça passe. Alors, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés et qui doutent toujours de la chaîne, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous massivement, car le meilleur est à venir. Au fur et à mesure du temps, peut-être qu'on augmentera même de cote et on ira autour de 4. Ça est dans mes projets et d'ici la reprise des championnats, je mettrai ça en œuvre. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une autre astuce.